sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. On espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on va super bien. On est contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. En ce moment, vous êtes de plus en plus nombreuses à nous envoyer des messages pour savoir comment porter les tendances, comment associer telle ou telle pièce ou comment faire avec sa morphologie. Donc, on a décidé de créer une rubrique spécialement pour vous. Donc, la rubrique s'appelle « Les filles, j'ai une question ». Dans cette rubrique, on répond à toutes vos questions et à toutes vos problématiques stylistiques au quotidien. Faites-nous connaître tous vos besoins en commentaire. Comme ça, ça nous permet de créer du contenu adapté à vos besoins et surtout d'échanger ensemble. Aujourd'hui, la question du jour, c'est « Les filles, comment porter une chemise blanche ?» Donc, merci à toi, Norman Thiret, pour cette question. La chemise blanche, donc, c'est le grand classique, le grand basique de la garde-robe. Donc, on en a toute une. Donc, ce qui est bien avec la chemise blanche, c'est qu'on peut la porter de manière chic et décontractée ou les deux à la fois. Et surtout, on peut la porter pour n'importe quelle occasion. Donc, la tendance en ce moment, c'est de porter la chemise blanche oversize. Donc, on vous a sélectionné cette look, cette inspiration mode pour être au top avec une chemise blanche. Voilà. Première inspiration mode, porter sa chemise blanche en tant que robe. Une chemise ample qui arrive au-dessus du genou qu'on pourra porter avec des baskets, des sandales ou une paire de bottines. Ça, c'est hyper canon. Pour plus de style, vous pouvez ceinturer votre chemise blanche, ça marche aussi. Avec la chemise blanche portée en tant que robe, c'est hyper facile, vous enfilez la chemise et c'est parti. Deuxième inspiration, la chemise blanche extra large avec un pantalon hyper large. Vous mixez votre chemise avec un pantalon type palazzo, un jogging ou un jean. Vous accessoirisez le tout avec des escarpins. Ça vous donne un look faussement négligé, décontracté, sorte de masculin, féminin, donc c'est hyper stylé. Troisième inspiration, la chemise blanche avec un bermuda en jean. Donc c'est encore de saison avec une paire de sandales fines. Je trouve que c'est une association chic et décontractée. Donc là, la chemise blanche va casser le côté un peu trop décontracté du bermuda en jean. C'est simple, efficace et stylé. Quatrième inspiration, donc la chemise blanche portée avec un petit pull sans manches. Donc c'est parfait pour transitionner quand il fait un peu frais. Vous mixez votre chemise blanche avec un petit pull sans manches ou un cardigan sans manches. Donc c'est très structuré, c'est très visuel. Ça donne de la puissance à votre look. C'est chic décontracté. Donc vous pouvez aller partout avec ce style d'association. Vous pouvez aller à un rendez-vous pro, vous pouvez aller à un after work, vous pouvez aller au boulot avec. Bon, bref, c'est hyper versatile. Cinquième inspiration, porter la chemise blanche avec une robe en satin. Donc on connaît la robe en satin portée avec un t-shirt blanc. Maintenant, vous avez la version robe en satin avec une chemise blanche. Donc vous portez votre robe en satin par-dessus votre chemise blanche. Et là, vous avez une autre manière originale et stylée de porter une chemise blanche. Sixième inspiration, porter la chemise blanche en layering. Donc le layering, c'est porter plusieurs couches de vêtements en superposition en les rendant visibles de manière à créer des contrastes de volume, de matière ou de couleur. Donc on vous a choisi un layering en trois couches avec un sous-pull, une chemise blanche et un blazer. Septième et dernière inspiration, pimper sa chemise blanche avec des trucs et astuces pour lui donner un peu plus de style. Donc pour ce faire, vous avez différentes manières. Par exemple, nouant sa chemise soit devant, soit dans le dos, en rentrant partiellement sa chemise dans un jean, un pantalon ou une jupe, en roulotant sa chemise ou en la retroussant, et pour terminer, en portant sa chemise en dégageant les épaules. Des petits détails qui apportent des trucs en plus parce que le style réside dans les détails. On vous a montré cette manière de porter la chemise blanche. Encore merci à toi Norman Thiret de nous avoir posé cette question. On te fait des gros bisous. Donc n'hésitez pas à faire comme elle, à nous poser votre question. Donc la rubrique « Les filles, j'ai une question », c'est votre rubrique. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!